Tu dessins quel hôtel? C'est le festival qui s'est occupé de tout, comme l'année dernière, je suppose, au Grand Hôtel Place Saint-Marc. T'es sûr que ça va? T'aurais préféré que je vienne? Non. T'as mal quelque part? Viens, il faut que je te parle de quelque chose. Alors? J'en peux plus. Je te mens. J'arrive pas à mentir. Je t'aime trop pour continuer comme ça. Parce que je t'aime trop, tu me crois. Tais-toi, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je t'aime, mais je suis plus amoureux de toi. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de prendre du recul. Je suis tombé amoureux, elle m'attend en venue. C'est aussi pour ça que je vais là-bas. Julien? Allô? Oui, c'est ça. J'aimerais voir un médecin. J'ai mal au ventre. Oui, je sais, mais ça passe pas. Je suis enceinte. Il m'a dit de prendre du space-fond, mais ça recommence. Combien de temps? J'attends. Pas vrai, ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tu crois pas que t'aurais pu le mettre avec tes pariscopes? Oh, j'en sais rien. Marie, tu saurais pas où il est le dossier de la mairie? Tu sais, sur Paris Cinéma, il y a ma programmation dedans. Non, au téléphone, là, j'en reviens. C'est le dossier bleu, deuxième tiroir à droite. T'es sûr?
présente. On a fait quoi ce week-end? Une catastrophe. La nuit de l'iguane s'est effondrée. 47 entrées. Non, il faut trouver autre chose, hein. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Houston, c'est toujours irrégulier. Ouais, mais Burton et Gardner, par exemple, normalement, ils viennent. Oui. Bon, écoutez, je vous ai répondu la dernière fois que je pouvais rien pour vous. Ah, faut que je vous le dise comment. Bon, on fait quoi? On peut sortir l'arrangement, il y a une copine avant, bah. Hors de question. Ah, pourquoi? Parce que. Oh, bah, c'est un peu léger comme argument, ça. Tu l'adorais, le film? Ben oui, mais non. Franchement, c'est n'importe quoi, cette histoire. Faye Dunaway, belle, qui a tout, alors que la pauvre Deborah Kerr, elle est là comme une débile, là, à attendre. Mais c'est d'un banal, mais si vous croyez que les gens, ils ont envie de voir ça? Tu te rends compte que t'es insupportable, là? Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'elle a ce matin? Ah, dis donc. Si c'est comme ça toute la journée, ça promet, hein. Dis donc, tu crois pas que ce serait ça? Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, je te conseille pas de lui demander, hein. Monsieur et madame ne répondent pas. Je peux laisser un message? Oui, dites-lui. Non, non, pas de message. Daniel. Allô, monsieur Julien Tourelle. Ne quittez pas. Allô? Julien, c'est moi. Pourquoi t'as fait ça? Je peux pas. Je comprends rien. S'il te plaît, il faut que tu m'expliques. T'as pas le droit. Julien, t'es là? Bon, il faut pas que t'appelles, hein. Ça sert à rien. C'est comme ça, c'est tout. C'est dur, je sais, mais pour elle, c'est pas facile que tu sois enceinte. C'est dur pour elle? Mais tu te fous de moi? Julien! 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 Oui, monsieur Julien Tourelle. Désolée, madame. Monsieur et madame sont sortis. Non, c'est... Allô? Au revoir, madame. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Pour vous qui viennent, ces médecins dans la nuit, ça va pas? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un tapis, ça se voit, non? Vous allez le jeter? Non, je vais le promener. Il est hors de question de le mettre dans les poubelles, faut faire venir les encombrants. Ouais, c'est ça, bonne soirée. Et toi, tes vacances? J'y ai pas vraiment pensé.
Peut-être que ça va s'arranger. S'il te plaît, Maya. Tu veux pas manger quelque chose? C'est pas facile pour nous, on sait pas quoi dire. On aimerait bien t'aider, mais on sait pas comment. Je te demande rien, Maya. T'as dit s'il allait revenir? Non, j'ai pas de nouvelles. T'avais rien dit, toi? Non, je te jure que non. Je suis tombé des nues quand tu nous as appelés. Tu sais qui c'est? Non. Je sais juste, enfin... Il m'a dit qu'il était amoureux. Et t'as rien vu venir? Disons, t'étais pas en voyage d'affaires à Vladivostok? Si, pourquoi? Elles sont comment, les putes, là-bas? Je suis pas allé aux putes. Ah bon? Pourtant, je croyais que c'était le meilleur moyen de conclure un contrat, non? C'est pas parce que tu vas mal que ça te donne le droit d'être désagréable comme ça. Et de poser des questions connes? Non, mais t'as raison, je m'en vais. Merci, au revoir. C'est pas un peu trop? Écoutez, je suis venu 4 fois cette semaine, et cette fois, c'est pire que tout. Donc on va aller à la maternité pour vérifier tout ça. Rassurez-vous, tout va bien. Le bébé grossit bien. On attend des résultats complémentaires, mais je suis sûre que tout sera normal. Vous allez me garder? Oui, on vous garde pour la nuit. Bonsoir. Bonsoir. Armel a téléphoné, il rentre samedi, il parle 38h27. Armel. Ton assistante. Oui. C'est comme prévu. Jean-Jacques. J'ai peur. Ça va aller, tu verras. T'as passé le plus dur. Je sais pas quoi dire. Je viens juste pour prendre des vêtements. Rends-moi tes clés. Bah quand même, il y a tout ici. Comment je vais faire, moi? Bah si c'est que ça, t'auras qu'à m'appeler pour récupérer tes petites affaires. Je te jure que c'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Donne-moi tes clés. Chez Julien et Marie Tourelle, laissez-nous un message. Au revoir. C'est moi.
décroche. Je sais que t'es là. Je sais que t'es allé à l'hôpital, que ça n'allait pas fort. Je voudrais que tu comprennes, que tu me laisses du temps. Je suis désolé. Je peux pas faire autrement. Je t'embrasse. Oui, c'est Robert Mitchum. Ok. Très bien, bah merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Robert Mitchum? Si. Bon, il faut qu'on te parle. On a bien réfléchi, on a pris une décision. On a trouvé une solution. Une solution? Oui, il n'y en a pas 36. Allez, vas-y, dis-lui. On va le chercher à son boulot, on le ramène ici à la cave et on lui pète la gueule. Je peux te dire qu'au bout de 3 jours, il va rentrer dans le droit chemin. On va te le ramener, ce petit con. Il est marié, il a fait un gosse, faut qu'il assume. Non mais vous êtes complètement taré. Hein. N'importe quoi, c'est le monde à l'envers. Et on n'est pas dans un western ici, vous n'allez pas finir en prison. Bon. Bonjour, vous êtes bien chez Julien et Marie Tourelle. Laissez-nous un message. Au revoir. Marie, c'est moi. Décroche pas. S'il te plaît, Marie. Il faut qu'on se voit. J'aimerais que tu me pardonnes. Tu me manques. Je te prends dans mes bras, Marie. Je t'embrasse. A bill? What do you mean, like a dead end bill? Someone is dead, man. Dead end bill is dead. Bill. Bill. Well, what are you going to go to a town you don't know the name of for? Have you got somebody to meet? Salut, la salle est presque pleine. Je me dis qu'on pourrait tenter la note, c'est après l'été. Je pars demain. Allez, on est là, on bouge pas. On t'attend. Ok? Ok. J'ai mis les draps dans la chambre d'amis. Hein. Je pensais que Julien viendra au moins quelques jours. Il est parrain d'un festival de court-métrage en Morvan. Il avait accepté l'an passé, il pouvait pas. Ah oui, mais c'est la Toussaint. Ah oui, alors. Bah, c'est les vacances, hein. Il y a des gens qui prennent leurs vacances à la Toussaint. Ouais, bon, moi je vais dans ma chambre. Tu veux que je t'aide à mettre les draps? Non, ça va aller. Je suis pas là. Elle n'est pas là. Elle a dû sortir avec son père. Oui. Oui, je lui dis. D'accord, à bientôt, Julien.
Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est pas dans le Morvan? Je sais pas. Bah, comment ça, tu sais pas, Marie? Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Bah... C'est un Mongolien? Maman, c'est pas le bébé. C'est un peu disputé avant de venir. C'est pas grave. Mais fais pas cette tête-là, je te dis que c'est pas grave. T'es sûre? Oui, je te jure. Bon, bon. Là, tu viens manger, alors. J'arrive. Qu'est-ce que je fais? Je vais la voir? Bah écoute, non. Attends, elle va bien finir par venir. Hein? Vous lui avez dit? Quoi? Ce que je vous avais dit de lui dire? Non. Elle a répondu quelque chose? Bah non, puisque je lui ai rien dit. J'ai peur. Moi aussi, mais il faut que tu me crois. On peut pas faire autrement. J'ai besoin de savoir pourquoi t'as fait ça. Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Tu crois que ça peut suffire, juste des regrets? Tu me pardonnes. Il faut, j'y arriverai jamais. Si tu y arriveras. Je vais t'aimer tellement que tu pourras pas faire autrement. C'est une promesse. Je crois plus aux promesses. C'est gentil, mais...
J'étais pas obligée. Tu t'assieds deux minutes? T'as même acheté des croissants? Bah oui, t'en veux pas? Bah Serge, j'ai pas très faim le matin. Mais je veux bien t'aider ce café. Tu rentres tard ce soir? Non, je crois pas. Pourquoi tu veux qu'on sorte? Non, c'était pour savoir. T'avais envie de sortir, toi? Non, pas forcément. Mais je me disais que si toi t'avais envie, ben on aurait pu inviter Paul et Maya. Ce soir? Non, pas spécialement, mais enfin, je sais pas, quand tu veux. Tu les appelleras? Mmh. Marie, j'ai pensé à un truc. Le bébé, quand il va être là, on va le mettre où? Comment ça? Bah, il faut qu'il ait une chambre, non? Bah, au début, je crois qu'il peut dormir avec nous. Ça peut nous empêcher de dormir? Ah, ça, tu sais, qu'il soit dans la chambre ailleurs, on l'entendra. Hein. Moi, je disais ça pour lui donner mon bureau. Bah, et toi? Moi, je déménage. Enfin, je me trouve un bureau pas loin dans le quartier. J'ai besoin de rien, juste un endroit calme pour écrire. Bah, tu pourrais te faire un coin dans le salon. Un coin dans le salon? Bah oui, qu'est-ce qui va pas avec le salon? De toute façon, il ira à la crèche, donc... Le salon, c'est pas chez moi. Ah, c'est chez qui? Chez nous. J'ai besoin d'un truc à moi. Mais, tu sais, c'est une question d'organisation, hein. C'est rien. Ouais, je sais. Écoute, fais comme tu veux, t'as raison. Ah, oh, puis j'ai oublié mon dossier pour la prochaine Visconti. Tu fais là? Enfin, je veux dire, c'est juste pour me concentrer, sinon j'arrive pas à écrire. Non, j'avais oublié ma carte. Julien, juste un truc, je suis pas ta mère. T'es quelqu'un? Tiens! Ah, revenons! Bonjour. Marie est pas là? Elle est en bas avec Jean-Loup. Vérifie la copie pour la projo. Alors, t'es revenu, toi? Bah oui. Je venais voir Marie avant pour lui déposer ça. Ouais, la projo là. J'ai lu ton article sur le Kurosawa, formidable, hein? Oh, bah merci. Ouais. Tu prépares quoi? Bon, après Visconti, on va faire une rétro Aldrich. Mais j'y crois pas trop, moi. Ouais, ça peut peut-être marcher, là. T'as mis El Perdido? Ah non, j'ai oublié, tiens. Un western crépusculaire. Crépusculaire. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils se battent pour elle. Des hommes comme on n'en fait plus. Je descends quand, là? Eh ben, quand tu te sens prêt. De toute façon, on t'attend. Hein? Comme l'écrit Jean Starobinski dans L'œil vivant, c'est l'œuvre qui doit être écoutée. Cette coïncidence avec une œuvre, moi, je la cherche tous les jours au cinéma. Et nous devons coïncider. Il n'y a pas foutu de citer Starobinski correctement, ce con. Et si, parfois, je la trouve, c'est grâce au regard de ma femme. Quel con. Alors, si vous le permettez, je voudrais dédier cette projection à Marie. Merci. Bonne projection. Thank you.
di superare un momento di smarrimento. Ero molto sola, molto triste. Non voglio giustificarmi, non voglio accusarti. Sono disperata. Sì, disperata. Ma io vengo dopo. Tu piuttosto. C'est rien. Hé, hey, c'est juste un film. C'est moi. Je suis là. Je t'aime. Je crois que j'ai besoin d'aller marcher. Vraiment, j'ai besoin. Mais t'es sûre, ça va aller? Oui, oui. Bon, ben, j'y retourne, ok? Oui. Alors, pour les prénoms, vous avez choisi quoi? On s'est pas encore décidé. Non, pas... Quelqu'un veut du vin? Moi. Tiens, mon cœur. Ah, non. Oh, bah, pas. Jeanne. Merci. Non, merci. Du vin? Avec plaisir. Julien? Bah oui, je veux bien. T'es belle, Marie. T'es de plus en plus belle. C'est ce que j'arrête pas de lui dire. Elle est magnifique. Elle a jamais été aussi belle. C'était pas mal, hein. Je suis d'accord. De quoi tu parles? Bah, du film. Non, mais... T'as tellement changé, aussi. Tu trouves? Tu sais, j'aurais jamais imaginé que ça fasse cet effet-là. Juste un film, avant... Mais c'était pas un film. J'ai vu un homme qui tentait de tuer son enfant et c'est ce film-là que tu m'as dédié. J'aimerais tellement... Quoi? Rien, je sais pas. Pourquoi tu veux toujours tout savoir? Tu finis jamais tes phrases. Madame Tourelle. Bonjour. Bonjour. On va l'appeler comment? Je sais pas. Écoute, m'en veux pas, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'y aille, on m'attend au journal. On se voit ce soir? Bah oui. Ouais.
Ça te dit qu'on se retrouve ce soir pour dîner à la maison, pour fêter la nouvelle comme avant? Oui, si tu veux. C'est tout. Pourquoi c'est tout? Merde, Marie, tu fais chier. Je te propose un dîner en amoureux, c'est comme si je te disais passe-moi le sel. Mais quoi? J'ai dit oui. Mais il y a mille façons de dire oui, c'était rien. C'est comme si tu parlais à un arbre mort. Un arbre mort? Arrête de faire ta conne, là. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais, tout à l'heure. Non, pas ce soir. C'est pas grave. J'ai passé la journée à visiter des taudis. T'étais pas au journal? J'ai bien vu hein, deux pièces du côté de la Nation. Mais... Tu crois que t'as besoin de deux pièces? Bah, j'ai passé l'âge de me retrouver dans un taudis. J'aimerais bien venir visiter avec toi. Dans ton état, je te vois mal monter 6 étages sans ascenseur. Parce que tu visites que tes appartements sous les toits. Marie, je dis pas ce soir. Alors quand? Quand quoi? Quand est-ce qu'on parlera enfin? Tu veux parler de quoi? Depuis ton retour de Venise, j'ai tout le temps peur que tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je passe pas mon temps à te parler de toutes mes angoisses. On s'en sortirait pas. Pourtant, j'aimerais bien. Pour moi, rien n'a changé. Sauf toi. C'est pour ça que tu me touches plus. Ça te fait peur à cause du bébé? Mais tu me prends pour qui? Arrête, Marie, ça devient ridicule. Tiens là, prends généralienne. C'est une copie unique. Hein. Allez mettre dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, toi. T'as oublié de brancher la pompe, t'as les pieds ondés. Faites fier de toi, ouais. J'ai pas fait exprès. Tiens, j'ai une tu les mets dans le bureau, là. Et il faut sortir la copie 70 mm. Mets-moi sur du ciel. Where the last movie? Mais tu l'as pas mis au fond là-bas? Ah, mais t'as raison, il est avec la Warner! Oui! Pour arrêter les conneries là maintenant! Tu vois pas que tu gèles le passage, là? Ou tu te réveilles? Je suis désolée. Mais ça nous fait une belle jambe, hein. Oh, arrête de lui parler comme ça, quand même. Mais c'est vrai, ça commence à me gonfler, cette histoire, moi. T'es pas la première à qui ça arrive, non? Faut passer à autre chose, maintenant. T'arrêtes de murler tout d'abord, hein. Tu te prends pour qui? T'es pas à ma place. Hein. Oh, le bullfighter fichu! Oh, ah, c'est pas vrai. Les assurances vont marcher, non? Les assurances. Certaines copies sont uniques. On n'en trouve plus nulle part dans le monde. Si tu leur expliques ça, ils en ont rien à foutre, les assurances. Plus voir un film, et alors? T'en as assez fait pour aujourd'hui, hein, c'est bon. Tu peux rentrer chez toi.
ferme les yeux, vite. Donne-moi ta main. Le lion, ça cogne. Hein. Tu sens ? Bon, je pourrais pas t'appeler tout de suite en arrivant, à cause du décalage horaire. Et si tu veux, moi, je peux t'appeler. À Tokyo ? Ça va nous coûter une fortune, c'est mieux si c'est moi. En plus, c'est le journal qui paie. Bon, j'y vais. Julien ! Quoi ? Ben, rien. Bon voyage. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je dormais, il est 10h. J'ai mal calculé. Je m'inquiétais. Je m'en voulais. J'avais besoin d'entendre ta voix. C'est pas grave. Ça va ? Oui, et toi ? Mes parents sont venus hier. Tu me manques. Je t'aime, Julien. Je t'embrasse. Je te rappelle demain.
Allô? T'es déjà sorti? Bon, je pourrais pas te rappeler, je suis en projet toute la journée. Je t'embrasse, je t'aime. À demain. Jean-Jacques? Oui, c'est moi. Je viendrai pas aujourd'hui. Ça va, je me sens juste un peu fatiguée. Oui, je t'embrasse. Vous appelez comment? Delphine. C'est avec vous qui étiez à Venise? Oui. Ça s'est jamais arrêté? Si, puis ça a repris. Quand? À la projection du Visconti. Il m'avait invité, j'étais dans la salle. Je vous imaginais pas comme ça. Ah oui, comment? Plus fragile. Fragile? Il a tellement peur de vous faire souffrir. Il a peur, mais il y arrive très bien. Moi, je compte pas. Je suis même pas une histoire, je suis... comme un rêve inachevé. Il a besoin de ça, Julien. Une bulle loin des autres, loin du monde, où on peut être libre d'écrire pour rien, pour personne, pour le plaisir des mots. Ah, parce qu'il écrit. Des poèmes. Sublimes. Il a besoin de vous. Autant qu'il a besoin de cette liberté-là. Il se trouve qu'en ce moment, c'est avec moi. Parce que je peins ses poèmes. Demain, ce sera tout seul. Avec une autre. C'est plus fort que lui. Je trouve ça magnifique. Faut que j'y aille. Je suis jamais venue. Je veux pas qu'il sache. J'en peux plus. 15 heures d'avion, j'étais assis à côté d'un type qui a ronflé pendant des heures, j'ai pas pu fermer l'œil. Et Tokyo, c'était comment? Bah, tu sais comment c'est, hein. Enfermé dans une salle obscure toute la journée, puis le soir l'hôtel, et le lendemain ça recommence. Et Tokyo? Tokyo, rien. J'ai rien vu. De toute façon, tu comprends rien, tout est écrit en japonais. Dans les restos, tu sais jamais ce que tu vas manger. D'ailleurs, à part le poisson, ça n'a rien à voir avec ici. En 15 jours, t'as rien vu? Bah si, j'ai vu des films. J'étais là-bas pour ça. Hein. Et t'as vu des trucs bien? Bon, c'est un interrogatoire. T'imagines quoi? Je t'ai appelé tous les jours, je suis là. J'en peux plus, moi. Je peux pas faire plus. Hein. Je te demande juste si t'as vu des bons films, c'est tout? Bah non, pas vraiment. Rien? Non, rien.
Arrête. Ah, tu me fais mal. Mais arrête! Mais t'es complètement fou, t'es complètement malade! Marie, ouvre-moi cette porte. Je sais pas ce qui m'a pris. Excuse-moi. Ouvre-moi! Marie! Complètement fou! Il n'y a rien à comprendre. Je vous avais rien promis. C'est comme ça. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais c'est impossible. Il faut que ma fille ait une place. Madame, au jour d'aujourd'hui, et au vu de votre dossier, hein, la commission d'attribution des places n'a pas retenu votre demande. Je suis donc dans l'impossibilité de vous délivrer une place. Mais vous vous y êtes pris suffisamment tôt, si je puis dire, pour pouvoir justement vous retourner et trouver un autre moyen de garde. Je comprends votre déception, mais vous n'êtes pas un cas prioritaire. Et puis le mieux, vous savez, c'est de passer un peu de temps avec son enfant. Vous voulez dire qu'il faut que j'arrête de travailler ? Oui, pendant un certain temps. Vous ne le regretterez pas. Un enfant, c'est une révolution. Moi-même... Mais je ne peux pas, parce qu'en fait, je suis seule. Enfin, je serai seule pour élever ma fille. Mon mari est parti. C'est récent. Il ne va pas revenir ? Non. Dans ce cas, nous allons refaire un dossier au vu de cette nouvelle situation et votre dossier va être examiné. Alors, vous êtes mariée ? Si oui, depuis quand ? Depuis le 30 septembre 2008. Et depuis quand ? Êtes-vous seule ? Je sais pas quand ça a commencé. Ah, mais c'est très important, il me faut une date précise. Hein. Voilà, regardez le calendrier. Vous allez être compté comme parent isolé. 14 septembre. Et le bébé est prévu pour quelle date ? Pour mars. Morricone vient à Paris et il m'accorde une interview. Ah vous ? Il vient à Paris ? Ouais, il va donner une série de concerts exceptionnels. C'est bien. Ouais. Je suis allée à la crèche aujourd'hui pour inscrire la petite et j'ai une place. Parce que tu sais, on m'avait dit que j'aurais pas de place, mais finalement... C'est là que je me suis aperçue que... Qu'est-ce que c'est ? Bah ouf, tu vas voir. Tu te souviens ? C'est notre première rencontre. On le met ?
Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien. Ne dis rien, surtout pas, ne dis rien, suis-moi. Ne dis rien, n'aie pas de crainte de moi. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien. Combien de temps on met pour se séparer quand on s'aime plus? Je sais pas. Ça doit dépendre de l'âge. Tu crois? Moi, je crois que ça dépend des gens. Tu me fais rire. De l'âge. J'adore quand t'es comme ça. Comment? Comme avant. J'arrête un moment pour acheter du vin. Tu t'en es pas occupé? Bah non, tu vois, je m'en suis pas occupé. T'es sûr qu'on est obligé? Écoute, c'est toi qui l'as dit à Paul. Hein. Eux, ils se sont occupés de tout le reste. S'ils sont depuis hier, ils ont dû l'acheter, le vin. J'ai envie d'aller aux toilettes. Encore? Mais ça fait trois fois en une heure. Si tu le dis... J'en prends une de temps en temps, ça me calme. Pourquoi? T'es énervé? Oui, très. Tu me dégoûtes. On dirait une baleine. Bah vas-y. J'ai encore envie. Bon, dépêche-toi, Oulé. Pourquoi? Pourquoi t'es revenu? Pourquoi t'es revenu? Je suis pas un salaud. Non, mais ça, y a pas de risque, hein. Tu te barres, tu reviens, tu te re-rebarres, tu re-reviens. Et Tokyo, en fait, c'était comment? Tu m'as pas raconté? Mais de quoi tu parles? Je te parle de Tokyo! De Tokyo! Mais pourquoi tu restes avec moi? C'est pour les mêmes raisons que toi. Je voudrais que tu sois morte.
pas de scandale, ça ne les regarde pas. Tokyo. Salut. Marie, je te présente Aristide. Enchantée. Enchantée, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Moi, c'est Julien. Le futur papa, j'imagine. Oui, entre autres. Ouais. Vous avez fait bon voyage? Oui, oui. Enfin, c'était mouvementé. Hein. Vous avez du mal à trouver? Non, Julien a essayé de m'abandonner sur une aire d'autoroute, mais il n'a pas réussi. Ça me rappelle l'histoire d'un type qui a mis 400 km avant de se rendre compte qu'il était reparti de la station-service sans sa femme. Ils ont sauté. Il y avait 50 cm d'eau. Ils ont eu les deux jambes cassées, tous les deux. Et toi, Julien, tu racontes rien? Excusez-moi, mais j'ai un vrai coup de pompe. T'as vu des trucs bien récemment? Non, c'était une année terne. Mais si ce film à Tokyo, comment ça s'appelait déjà? T'es allé à Tokyo? Je crois qu'ils avaient envoyé Gilbert Lepic. Oui, on y était tous les deux. Ah. Alors, quel film? Je sais pas de quoi elle parle. Mais si, t'étais bouleversée. Un Coréen, je crois. L'histoire d'un type qui est plein d'états d'âme. Et puis qui ment tout le temps, qui part, qui revient. Je crois qu'il finit paralytique, nourri par sa mère à la petite cuillère. Enfin, un type pathétique. C'est bon, laisse-moi, toi. Mais Marie, qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qui se passe? Bah, demande-lui, parce que moi, je sais pas. Je comprends pas pourquoi vous restez ensemble. Tu te fous de moi? C'est pas toi qui disais qu'il fallait que je comprenne, que je lui laisse du temps? Mais je croyais que ça s'était arrangé. Il n'est jamais allé à Tokyo. On n'habite quasiment plus ensemble. Il a pas envie de me quitter. Il supporte pas que je sois enceinte. Et il veut cet enfant. Vous faites du mal pour rien. C'est fini, Julien, on arrête là. Tu peux pas. Tu m'entends? Tu peux pas. Je veux élever cet enfant, c'est le mien aussi. T'es ridicule, mon pauvre Julien. Donne-moi les clés, je m'en vais. Hors de question. Tu restes ici. Faut qu'on se parle. J'écoute. Je t'aime. C'est tout? Mais comment tu veux que je te parle? T'as vu comment tu me regardes? Je te regarde plus, voilà, je t'écoute. Bon, ok. Je suis pas allé à Tokyo. J'ai menti. J'ai pas fait exprès. Je peux pas vivre avec toi parce que... Je te dégoûte. Oui. Tu comprends? Non. Tu veux pas essayer? Juste un peu? Essayer de comprendre pourquoi je te dégoûte. Non, je crois que je vais pas y arriver. N'empêche que c'est dégueulasse de pas m'avoir dit pour Tokyo. C'est comme si tu me regardais me noyer, sans rien me dire. T'es froide et cruelle. C'est pour ça que je suis allé voir ailleurs. Pourquoi tu restes avec cette femme-là? Mais de qui tu parles? Je l'ai quitté. C'est personne, je te le dis. J'arrête pas de le répéter. Je te parlais de moi. Pourquoi tu restais avec une femme comme moi, froide et cruelle? Tu parlais de toi? Mais t'as vu comment tu parles de toi? De nous? C'est comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Comme si ça comptait pas. Putain, mais qu'est-ce que t'as dans le ventre? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu me repousses? Hein? Pourquoi tu veux plus de moi? En plus, tu pourrais me frapper. Je t'aime plus. Je te crois pas. Oh, pauvre Julien. Ne me dis pas ça. Ne m'appelle pas comme ça, d'accord? Hein? T'arrêtes maintenant! Tu arrêtes! Mais pour qui tu te prends? Hein? Arrête de me donner des ordres!
T'arrêtes maintenant!